a fait le tournoi de Sainte-Anne, on a remporté le tournoi de Sainte-Anne et on est venu à la finale justement pour remporter la finale, pour représenter la ville de Sainte-Anne et c'est ce qu'on a fait en fait. Le scénario de la finale effectivement est épique, hein, avec une équipe qui prend le large très rapidement. On était mené 3-0, on a failli lâcher, on a baissé les bras un moment, mais bon après on s'est relancé, petit à petit on est remonté. La finale s'est terminée 6-6 et bon, les tirs au but, voilà, c'est ça passe ou ça casse. Hein. Séance de pénalty, quoi qu'on en dise, c'est quand même un événement qui est quand même assez stressant et où l'engouement du public justement arrive à son paroxysme. J'ai trouvé la finale extraordinaire parce qu'il y avait des bons compétiteurs, il y avait du punch, il y avait vraiment de l'énergie. S'ils sont arrivés jusque-là, c'était des équipes à niveau. Et comme je l'ai dit, nous avons parmi ces jeunes des joueurs qui jouent dans l'élite. En tant qu'élu au sport, du moins l'adjointe en charge des sports à la ville de Sainte-Anne, c'est vrai que c'était particulièrement plaisant de voir une équipe de Sainte-Anne gagner le tournoi.